Bonjour tout le monde. Aha, une vidéo en plein milieu de la semaine, tu t'y attendais pas celle-là, hein? Oh ben ça c'est une surprise! Petite vidéo pour vous parler de l'actu de la chaîne. Vous avez peut-être remarqué qu'au mois d'août, bah j'ai rien sorti. Mais ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que j'ai pas avancé sur les vidéos. Loin de là. Alors, comme certains ou certaines l'ont supposé, bah effectivement c'était un été chargé pour moi, hein, j'ai des tas de concerts un petit peu partout, c'était trop cool, mais clairement pas le temps de m'occuper de la chaîne. Donc bah j'ai continué à tourner des trucs, à les monter dans les moments de creux un peu, à l'hôtel, dans les loges, etc. Ce qui fait que j'ai des tonnes de vidéos à vous montrer. Et vous voulez que je vous dise ce qui va arriver sur la chaîne ? Bah écoutez, je vais vous le dire. Côté coulisses, j'ai filmé plusieurs concerts qui devraient donner lieu à des super épisodes quand tout ça, ça sera monté. Côté professionnel, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous, j'ai plusieurs vidéos tutos qui devraient vous éclairer, notamment sur les franchises, les congés spectacles ou les droits d'option. Mais surtout, surtout, le gros projet qui m'anime depuis plusieurs mois, c'est... Mais qu'est-ce que tu attends, hein ? Je vais monter la sauce, c'est du teasing. Vous voulez savoir ce qu'est ce gros projet ? Bah écoutez, je vais vous le dire. C'est le live au Tram 28. Pour celles et ceux qui l'ignorent, on est allé au studio dans lequel j'ai enregistré mon album qui s'appelle donc le Tram 28 à Reignac-sur-Indre. Et avec mes potes Romain et Ellie, on y a enregistré 8 chansons dans une session acoustique en public. J'en ai bavé pour le montage, j'ai perdu toutes les données, j'ai retrouvé les données. Bref, je vous fais pas le film parce que aujourd'hui, ça y est, c'est prêt à être diffusé. Je vacille. Alors mon problème hein, depuis quelques semaines c'était, mais comment je diffuse ça maintenant ? Parce que si je diffuse 8 chansons pendant 8 dimanches d'affilée, bah les gens vont peut-être se lasser et avoir envie de formats différents. C'est bien normal. Donc voilà, si vous voulez savoir comment seront diffusées ces chansons... Bah écoutez, je... Bon, ça suffit là. Donc voilà ce que j'ai décidé comme planning. Je vais diffuser une vidéo du live au Tram 28 toutes les 2 semaines à partir de dimanche prochain, 18h. Le rendez-vous traditionnel de 507h quoi. Et du coup, j'alternerai les dimanches suivants avec des formats habituels que vous connaissez déjà. Ça, je vais le faire pendant 12 semaines. Si vous n'êtes pas trop mauvais en calcul mental, là, vous vous dites que 12 semaines à raison d'une chanson toutes les 2 semaines, bah, ça fait que 6 chansons et pas 8. C'est vachement intelligent ce que tu me dis, j'avais pas remarqué. Oui. Oui, parce que j'ai décidé de vous en garder 2 sous le coude que je vous donnerai aux environs de Noël à la sortie d'un petit documentaire que je suis en train de réaliser sur les coulisses de cette incroyable aventure qu'ont été ces 2 jours de résidence au Tram 28. Dans ce documentaire, on nous verra installer, travailler, réfléchir, bref, les coulisses habituelles que vous connaissez sur cette chaîne. Ces instants de coulisses dans le documentaire, bah, ce sera entrecoupé des chansons, que vous aurez donc vues séparément pendant les 6 semaines précédentes, mais aussi des 2 inédits. Comme ça, vous serez obligé de regarder le documentaire, même si vous avez déjà vu les chansons séparément. Aha ! Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Donc ne ratez pas la première vidéo du live au Tram 28, c'est dimanche prochain, 18h. D'ici là, portez-vous bien, c'était Franck pour 507h. À dimanche. Ciao.